3 manches validées dans un vent de 15 nœuds pour les 70 coureurs de cette première étape du NJKI Tour ici à Douarnenez. Le nouveau patron, c'est lui, Théo de Ramcourt. Pour sa première année en senior, il remporte 2 des 3 manches. Il est suivi de près par le champion de France en titre, Philippe Axman, qui confirme. Mais la révélation de cette étape, c'est le Calédonien Titouan Galea. Après 9 mois de pratique de foil seulement, il claque aujourd'hui sa manche de premier. Il est actuellement 3ème au scratch. Demain, suite et fin de l'étape, avec 30 nœuds annoncés, on devrait se régaler.